Et nous y sommes, et tout est chargé, tout est ok. Bonsoir du coup, putain j'ai fait tomber le panier du chat. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session de live. Une session incroyable, une session exceptionnelle, une session... Merci, merci infiniment. Merci Bridge Master également qui s'abonne à la chaîne. Merci infiniment. Et là je vais couper un tout petit peu la musique du jeu mais elle revient, je vous rassure. Non c'est bon, elle est restée. Pourquoi? Pour une raison toute simple, vous êtes actuellement 60 000 à suivre la chaîne Twitch, la chaîne des lives, la chaîne sur laquelle on partage tant d'aventures, la chaîne sur laquelle on vit tant de choses, on partage tellement d'émotions, de la colère à la rage, à la tristesse, à la joie, au bonheur et toutes ces choses-là, l'émerveillement aussi beaucoup bien sûr. Bref, tout ça pour vous dire que je vous dois un très grand merci ce soir, et quel merci que celui-ci. Celui de jouer à un jeu qui m'a été demandé pendant tellement de temps. Et un jeu que j'ai envie de faire en live depuis tellement longtemps également. Nous voici prêts à attaquer Silent Hill. Un jeu que l'on fera du coup dans son intégralité. Alors peut-être pas en un soir parce que c'est quand même costaud. Peut-être en 2 ou 3, on verra bien. Mais toujours est-il que nous voilà prêts à faire un petit peu des sessions PS1. On va commencer avec ce jeu-là, on fera peut-être Metal Gear Solid également. Mais quoi qu'il arrive, pour toutes les personnes qui suivent ça sur Twitch ou même sur YouTube avec les rediffs, merci infiniment de suivre tout ça parce que vraiment je vous le dis, là en ce moment pour moi c'est bonheur dans tout ce qui se passe, côté YouTube, Twitch et compagnie, vraiment enfin c'est que des choses positives en vrai et je vous le dois beaucoup. Donc merci infiniment pour tout ça et j'espère qu'on va passer un bon moment. Silent Hill, petit rappel, donc jeu de la PS1, un jeu qui a quand même un petit peu vieilli maintenant, donc ne soyez pas surpris de voir des polygones un peu grossiers, des textures un peu vieillottes. Même si on a du bol parce que du coup là on va jouer sur la version émulée du jeu. Donc c'est à dire une version qui finalement est plus propre que la version d'origine, que j'ai à la maison, je précise. Que j'ai acheté d'ailleurs plein pot je crois. Mais petit bruit de voiture. Et donc oui du coup Silent Hill 1 voilà, qui est un jeu ma foi qu'on va pouvoir faire ici en 16/9 grâce à la magie de l'émulation, avec des cinématiques qui ont l'air assez stylées. Alors je vous le dis, j'ai peu de souvenirs de ce jeu. Et d'ailleurs je compte sur le chat pour m'aider un petit peu, parce que je sais qu'il y a des énigmes un peu de merde, faut quand même l'avouer, hein, voilà, c'est des game design de l'époque avec des trucs où tu dois trouver un objet dans un endroit et l'amener à tel endroit, machin, etc. Donc tu fouilles, t'es perdu, tu comprends pas, durée de vie artificielle. N'hésitez pas à backseat un petit peu, donner quelques indices, genre non, tu ferais mieux d'aller vers là, machin, etc. N'hésitez vraiment pas, hein, j'assure là-dessus. Mais par contre, voilà, l'histoire de Silent Hill. Les jeux d'horreur, ce qui est génial, c'est que ça se permet de faire des choses assez folles de ce point de vue-là. Parce que l'horrifique, c'est quoi? L'horrifique, c'est la peur, c'est vrai. Mais c'est aussi le fait de se permettre de faire des scénarios atypiques, avec des choses que l'on ne peut pas voir dans d'autres styles de jeu. Et Silent Hill, c'est vraiment la cristallisation de ça en fait. Et c'est pour ça que c'est aussi bien. Et c'est pour ça qu'on est prêt pour faire ce premier jeu. Et peut-être d'autres plus tard, le 2 qui est peut-être considéré comme beaucoup de personnes comme le meilleur jeu horrifique de tous les temps. Et à juste titre, c'est un excellentissime jeu. Et peut-être le 3 qui est ma foi aussi excellent, avec une bande son absolument goldée. Et le 4 qui est mon traumatisme devant tout. Bref, j'ai l'impression qu'en fait dans ma tête, là je suis chaud pour faire Silent Hill 1, MGS1, Silent Hill 2, MGS2. Vous avez compris la boucle, on verra bien. Bref, tout ça pour dire qu'on est parti. Et que je suis pas serein. En vrai, je ne suis pas serein du tout. Donc, on va passer en plein écran. Je suis en plein écran de mon côté. J'arrête de gagner du temps. Je vérifie qu'on est en français. Je crois que non. Effectivement, nous étions en anglais. Est-ce qu'on met en allemand ou en espagnol ou en italien? Non. Le mec il gagne du temps mais jusqu'au bout sur tout quoi si tu veux. Ah oui, et aussi régler la luminosité parce qu'elle est au max et qu'on en a pas besoin. Parce que du coup là on est dans des conditions d'émulation donc qui sont différentes de la condition de base du jeu. Je passe en plein écran juste pour la cinématique de départ, c'est parti. Attention, on joue en normal bien sûr. On joue en normal. Et ça va bien se passer bordel. Je mets le son à fond. Profitez. Alors, là, il nous manque un petit élément de scénar. Il nous manque l'intro
où normalement on voit le... Alors c'est dans un truc qu'on a vu tout à l'heure, ceci étant, mais en gros, il y a un bout de cinématique qui manque, et donc on a ce bonhomme là, ce garçon qui est là, qui se dit bon, je suis en bagnole, je suis tranquille, je me balade, et là d'un coup, merde, que se passe-t-il? Accident, cet endroit est comme une ville fantôme, il nous le dit, et il a raison, ça pue. Et donc on va chercher Cheryl. Cheryl qui est potentiellement, je crois, sa fille, si j'ai pas de bêtises. Et donc on va se balader. On va se balader et on va flipper. Alors attendez, je mets le son bien à fond, qu'on en profite pour de vrai. Et vous noterez que le jeu sur PS1 est quand même très loin d'être dégueulasse. Très très loin d'être dégueulasse. Allez, on va avancer tranquillou. Des bruits de pas ? Est-ce que le son du jeu est assez fort? Dites-moi si jamais c'est pas le cas. Je corrigerai ça bien sûr avec grand plaisir. Where are you going? Hey, wait! Stop! Cheryl! Non, elle, c'est le... je fais le mariole. En vrai, je fais le mariole parce que je suis pas serein du tout. J'ai un vieux traumatisme en fait sur ce jeu. Comme beaucoup de personnes, je l'ai découvert avec la démo qui était présente dans le jeu Metal Gear Solid 1. Et en fait, à l'époque, quand tu achetais MGS1, tu avais donc la démo de Silent Hill avec ce premier niveau. Et je me rappelle qu'à l'époque, on y jouait avec un ami. Et on avait à peine lancé la démo qu'on était tellement pas bien, mais tellement pas bien. Alors, on peut courir également. Avec la touche carré. Très important. Un élément clé de cette histoire. Et juste petite parenthèse... Merci également à Lazaritian qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup à toi. Alors j'avance, je sais pas vers où encore. Alors on n'a pas d'arme pour le moment, on est cul nu, on est main nue également. What? Attendez, on a entendu un truc. Il y a eu comme un schisme. D'accord, donc avec croix, oui, je me rappelle plus tout. On va se rappeler petit à petit des choses. Hein. Waouh. Vous entendez la sirène? Merci Slizou, merci beaucoup. Vous entendez la sirène? La sirène de l'angoisse. C'est pas bien ça. Éteins la RGB. Si vous voulez, on peut. En une fraction de seconde. Attendez, regardez ça. Hop, 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 hop. Hop. Comme si de rien n'était. Et on avance. Ah ouais, c'est vrai, cette caméra diagonale comme ça, regardez ça. Mais ça, à l'époque, c'était le futur. En vrai, c'était le futur de la réalisation. Merci à Matt. C'était le futur. On n'était pas bien à l'époque, on n'était pas bien du tout avec ça. Et la sirène de l'angoisse. Parce que quand vous connaissez le jeu, vous savez ce que ça veut dire tout ça. D'ailleurs, le film aussi hein, faisait assez bien ce travail-là de mise en scène, justement, il y avait de la peur. C'est étrange, il fait plus sombre. C'est mieux que rien, je suppose. Regarde, j'ai pas vu. En vrai, le côté creepy. Mais ce mouvement de caméra, mais encore une fois, c'était le futur absolu. Mais ce qui me fait flipper en vrai, c'est que je me rends compte d'un truc, c'est que oui, clairement, c'est un jeu qui a vieilli. Oui, c'est un jeu qui est en vue à la troisième personne, donc du coup, moins immersif qu'un jeu à la première personne. Mais, le côté justement complètement cassé du jeu, avec un visuel qui est vieux maintenant, il te met quand même mal, le salaud. Il est là, il apporte... au côté creepy de l'ensemble, et ça c'est pas bien. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Non. La tourmente m'emporte. Cette pluie, ces cendres, ce sang, ces flammes. Mais cette musique, Akira Yamaoka qui est en tremble. This. What's going on here?
Le jeu il a tellement pas le temps, il t'a fait peur dès le début. Non, 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 non. Dégage de là, putain, je ne savais pas ça. Attends, file. File, vite. What? What? Dégage, dégage de là. Non, 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 non. File. What? On se casse, on se casse. Mais où? Non, non, j'ai pas de sortie, j'ai rien. Y'a rien. Bloqué par une clôture, mais quoi? Non, 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 non. Déjà? Was I dreaming? How do you feel? Oh, like I've been run over by a truck. But I'm all right, I guess. Glad to hear it. You from around here? Why don't you tell me what happened? Wait a second, I'm just a tourist. I came here for a vacation. I just got here. I don't know what happened. I'd like to find out myself. Uh-huh. Have you seen a little girl? Just turned 7 last month. Short, black hair. My daughter. Sorry. The only person I've seen in this town is you. Where is everybody? I'd tell you if I knew, believe me. But from what I can tell, something bizarre is going on. That's all I know. Hmm. What's your name? Harry. Harry Mason. Sybil Bennett. I'm a police officer from Brahms, the next town over. The phones are all dead, and the radio too. I'm going back to call in some reinforcements. Hmm. Hold it. Where do you think you're going? My daughter. I've got to find her. No way. Dangerous out there. In that case, I need to find her now. Cheryl's my little girl. I can't just leave her out there by herself. Have you got a gun? No. Take this, and hope you don't have to use it. Now listen to me. Before you pull the trigger, know who you're shooting. And don't do it unless you have to. And don't go blasting me by mistake. Got it? Yeah, thanks. You'd do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. Et nous voici donc aux commandes de Harry, qui ne veut pas dire qu'il a beaucoup de poils ni beaucoup de cheveux. Et donc du coup, finalement, ce qui est intéressant ici, c'est de se dire que quand même, on est à l'époque d'une PS1, donc fin des années 90, avec un jeu qui nous propose quand même un doublage assez stylé, avec une prod un petit peu façon cinéma, l'heure de gloire finalement de Konami, hein, Konami qui était au sommet de son art, merci à Monsieur Jack Flash qui s'abonne à la chaîne. Et c'était un truc de ouf. En vrai, à l'époque, c'était un truc de ouf. Et ce qui est terrible, c'est que j'ai l'impression qu'il existe une sorte de malédiction sur ce jeu.
Qui fait qu'en fait j'ai complètement oublié le début du jeu. Je me rappelle de certains éléments clés, comme notamment l'école, les toilettes et tout ça. Mais c'est bizarre dit comme ça. Mais globalement, en tout cas, voilà, j'ai très peu de souvenirs du déroulé en fait. Et donc je me dis que c'est une bonne chose, puisque ça veut dire qu'on va pouvoir le redécouvrir ensemble. Et donc ça promet un moment cool. Merci à Evan Savon également qui s'abonne à la chaîne. Allez, c'est parti, on va débloquer les choses. Alors boisson vitaminée, oui, on la prend. Je vois qu'on a également une lampe torche, donc oui, on la prend. Et nous avons également une carte du quartier résidentiel qu'on va prendre aussi. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire qu'à l'époque, on est quand même dans... Déjà, regardez le visage et tout, machin. Franchement, en termes de proportion et tout, enfin, vous me direz, pour les plus jeunes d'entre vous, si ça se suit, mais moi j'ai l'impression qu'on est quand même dans un jeu qui reste regardable aujourd'hui, quoi, vraiment. Enfin, c'est vieux. C'est vieux, mais les proportions réalistes apportent beaucoup finalement. Et merci à Jedi Xav également, qui s'abonne à la chaîne. Un jour, quelqu'un fera l'expérience de ces événements bizarres. Puissent ses notes lui être utiles. Ah, la sauvegarde. Donc là, on sauvegarde. Nous sommes dans le café. Donc on n'a pas de safe state. On va jouer à l'ancienne un petit peu. On va voir. Nous avons un flipper également juste à côté de nous. Ketchup mayo jusque là tout va bien. Ah, ici un élément. Oh, le couteau très important là. Et ouais, et c'est ça. Aujourd'hui, dans un jeu actuel, tu aurais ça, on te dirait appuie sur croix, pense à prendre le couteau, machin. Là, tu te démerdes. Tu l'as oublié, et ben tant pis. Et donc du coup, c'était assez marrant. Donc là, on récupère du coup une boisson vitaminée 2, mais également un couteau de cuisine qui nous servira pour le corps à corps, a priori, on va voir. Et enfin, on termine avec une radio. Est-elle cassée ou... Non, on n'entend rien. Elle est cassée, on n'entend rien, on ne sait pas. On la prend pas en tout cas. Un flipper qui fait flipper. Est-ce qu'on peut jouer avec le flipper? Ça aurait été le futur si on avait pu. Non, rien d'inhabituel, on ne sait pas. Mais même la prod, la gestion de la caméra et tout, quoi, c'est fou. What? What's that? What's wrong with this radio? Radio. What's going on with that radio? Oh merde! What? Mais attends, je peux pas me défendre! Ah, la manette bouge plus! Mais non, la manette bouge plus! Ça y est, vite! Vite! Prends le flingue! Non mais c'est pas... Non mais voilà! Dans les jeux d'aujourd'hui, t'as un tuto! Aujourd'hui... à l'heure actuelle, tu attaques un jeu, tu as un tuto, il te dit tout. Là, tu arrives. Le tuto, c'est tu te tues. C'est tout, le jeu, il te tue. Il en a rien à foutre, il te tue. T'as pas sauvegardé, tu meurs, c'est tout. Et du coup, tu te démerdes. Avec le flingue, les contrôles, tu t'en fous, tu te démerdes. Ouah, ouah. Mais je sais pas encore tirer que je dois déjà... Saloperie de merde! Ce n'est pas un rêve! Non mais on est vraiment dans ce monde-là! Le monde dans lequel... mais c'est ça! Je veux dire, là, tu... Imaginons Silent Hill 2018. T'as un monstre qui rentre par la fenêtre. T'as 1000 pop-up qui te disent « Appuie sur Start pour sélectionner ton arme. » Clou, clou. Appuie sur croix pour prendre ton arme. Clung, équipe là. Croix, clung. Là, t'as l'arme, tu reviens à l'écran de jeu. Appuie sur R2 pour viser. Clung. Quand tu vises ton adversaire, tu vois qu'il le cible. Déjà t'auras un viseur. Appuie sur croix pour tirer. Là, fin des années 90, tu meurs. Le jeu il te tue. T'as pas compris? Bah t'es mort, t'es con. Et c'est tout. Voilà, c'est le game design des années 90. Et c'est ça qui était bien. Alors, bien sûr, on en garde une certaine nostalgie, mais on va essayer de se soigner. Alors, ça démarre très mal, On a heureusement de quoi se soigner. Et vu qu'on est à l'ancienne, et ben voilà, on a déjà plus de soins. C'est super, c'est génial. Ce jeu est fantastique. Alors, on va imaginer que dans son game design, il a quand même prévu de nous soigner pour qu'on meure pas comme des grosses merdes dès le début. D'ailleurs, en prévision, je dirais qu'une petite sauvegarde secondaire... serait éventuellement de choix. Voilà, c'est à dire que là, sauvegarde 1, 5 minutes 39, tu as 2 soins, tu crois que le jeu est gentil. 8 minutes, donc 3 minutes plus tard, t'as déjà perdu 2 soins, t'es déjà quasiment mort. Mais c'est...
C'est le rétro gaming. C'est le rétro gaming, si vous voulez. Voilà, j'ai envie de dire, je veux pas faire le vieux, mais là les enfants, vous voyez à quoi on a joué quand on était gamin, quoi. C'était pas The Last of Us, quoi, clairement. On était dans une autre planète. C'était pas la même chose. Ah, la radio pourrait nous servir à quelque chose, on pourrait potentiellement l'emporter. On va le faire. C'est vrai qu'à une époque, Resident Evil aussi, t'avais les rubans encreurs en quantité limitée pour sauvegarder, si vous voulez. C'était pas la même chose. C'était pas le même univers. On va dire qu'il y a les jeux horrifiques de l'univers 6 et de l'univers 7, quoi. Et vous êtes dans l'univers 7 aujourd'hui. Mais l'univers 6, nous, on sait que c'était plus compliqué que ça. Allez, plein écran, c'est parti. Mais où est donc parti Cheryl? Je devrais vérifier à nouveau cette allée. Très bien. Alors là, nous avons la carte de tout à l'heure qui nous donne des indications. Zoomer à l'extrême. Une petite allée, ma foi bien cachée. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, on doit pouvoir faire quelque chose. Là, en fait, on a l'équipement, on sait qu'on a 9 balles à disposition, plus une radar. Mais on a également la map. Et normalement sur la map, voilà, on sait où on est. Donc là, je sors. Attends, parce que moi et le GPS, c'est compliqué. Donc là, je sors. Merci, Jackal. Je sors. On va à droite, et ensuite on va à gauche. Et on reva à gauche. Ok. Ça va bien se passer. Donc je rappelle pour viser. Très bien. Donc on sort. On va à droite. Ensuite on va à gauche et on va à gauche. Alors la ville est assez grande, hein. Vous noterez le brouillard d'ailleurs, ça aussi. Ça c'est incroyable quand on y pense. Enfin quand même faut se mettre un truc dans l'idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on veut faire un jeu, on a la technologie de notre choix. Aujourd'hui, tu n'as jamais fait un jeu vidéo. Tu lances Unreal, tu lances un tuto. Tu fais un FPS, en gros, quoi. Pas un truc de ouf, mais quand même. Et tu te poses pas la question de la distance d'affichage, du nombre d'éléments à l'écran, machin, etc. Je veux dire, ça vient pour les très gros AAA. Mais sinon, ça va. Attendez, j'entends des choses. Oh putain. Lâche-moi. Tu bigles. Allez, viens là. Mais je veux viser, moi! Comment je fais pour viser, vraiment? C'est bon, il est mort. Et oui, c'est ça. Et tu t'en fous, à l'époque. Alors que... À l'époque... Non, tu t'en fous aujourd'hui, pardon. Alors qu'à l'époque... À l'époque, tu devais te dire... Bon, là, les mecs, on veut faire un jeu avec des personnages qui soient en 3D... Avec des proportions de corps réalistes. Enfin, rappelez-vous qu'FF7, quand même, on était dans un jeu qui avait des personnages en super déformés. Pourquoi? Pour des questions de polygones. Et là, tu te dis, putain, merde. Ça va être chaud, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, tu fais tes décors, machin, et là, tu dis, ah, là, on va avoir un problème. Parce qu'on va faire un jeu qui fait peur, mais le problème, c'est que, du coup, là, on peut pas afficher la route en même temps que le mec tire des armes, quoi. Parce qu'il y a trop d'ennemis, machin, la console supporte pas sa RAM. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, t'as un génie venu de nulle part qui se dit « Mais attendez les gars, vous voulez un jeu qui fait peur? Mais faites un jeu plein de mystères. Un jeu dans lequel on ne sait pas ce qui nous arrive. On ne sait pas ce qui nous attend. Le brouillard. Et le brouillard, c'est la clé. Parce que le brouillard va à la fois te permettre de ne pas afficher ce qu'il y a loin dans le jeu. Parce que du coup, tu peux t'en affranchir complètement. Donc tu économises énormément de ressources machines. Mais en même temps, ça va servir la conception du jeu, le game design, parce que ça va infliger de la peur. Donc finalement, d'un élément, d'une contrainte technique, tu en fais un système de jeu. Et ça, c'est un truc qui, aujourd'hui, je vous le dis, n'existera peut-être plus jamais. Parce qu'on n'a plus cette dimension-là de la contrainte technique devient une idée de gameplay, en fait, une idée de jeu. Et c'est ça qui était fou, quoi. Vraiment, Silent Hill, pour ça, c'était barjo. Bon, on avait dit droite, gauche et gauche. Donc j'imagine que c'est par là-bas. Attendez, il se passe des choses. Mais oui, c'est du génie. Allez. Attention. Putain, il est derrière! Casse-toi! Ah! Dans le chien! J'ai plus de balles!
J'ai plus de balles. Comment on fait? Comment on fait? Alors j'ai une idée. J'ai une idée mais c'est pas propre. Attendez. Ne fuis pas! Je l'aurai pas. Le couteau s'est tendu. On fuit. On fuit. Alors je n'ai que le couteau. Je n'ai que le couteau, on n'a plus rien là. Retour à la caméra telle qu'on l'avait vue tout à l'heure. On est dans la même zone que tout à l'heure, sauf que là, il n'y a pas l'alarme. Donc potentiellement, on est plus libre. Potentiellement, j'ai bien dit, parce que ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. On va voir. Ah. Balle de pistolet, oui. Balle de pistolet, oui. Alors je tiens à dire une chose aussi, c'est que c'est un jeu réglé de ouf. Qui est bien au-delà de beaucoup d'autres jeux là-dessus. C'est un jeu extrêmement équilibré et qui arrive à faire les choses bien. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Voici un document à l'école. Isn't this Cheryl's sketchbook? Attends, je mets le son à fond. She's at the school. Elle est à l'école. L'école qui est où? Qui est loin. Putain, qui est même, excusez-moi l'expression, loin sa mère quoi. Couverture de son cahier. Ce dessin, c'est moi. Le premier dessin tracé par Cheryl dans le cahier que je lui ai donné pour ses 5 ans. Et nous voici avec un tuyau d'acier. Alors là, bien sûr, on peut pas y aller. Donc on est eu. Donc ça, on l'a déjà vu, on est ok. Alors il me semble qu'il peut y avoir des choses effectivement planquées dans les objets qu'on croise comme ça. Je fouille un petit peu, hein, excusez-moi, je me permets, mais quand même c'est important. L'immersion oblige. Alors on peut pas aller par là-bas. Notre escadavre qui fait plaisir. Et là, est-ce qu'il y a des choses? Non. Donc jusque là tout va bien. Alors attendez, parce que là, élément bien sûr très important. Le guidage. Le guidage. Alors je sors, je vais à la rue Finestrate. Je vais à gauche, je vais jusqu'au bout, et ensuite à gauche dans Midwich Street. Mais si jamais je ne peux pas, je ferai demi-tour et j'irai à Levin. Et ouais, ok. On est prêt. Je pense que j'ai l'idée. Le bruit qui fait flipper. Merci à Zélix qui s'abonne à la chaîne. Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est même très très bien. Je me suis trompé de touche, c'est pas grave. Tout va bien. Bien. On vient en arrière. Ouah, j'étais pas prêt. Vite! Fuis. On se casse. Alors gauche, on a dit gauche, vous êtes prêts? Là c'est bon, on a fui, gauche, très bien. Ensuite, après la gauche, tout au bout, jusqu'à ce que je puisse plus tourner, et gauche. Putain, il y a encore des ennemis, non! C'est bon, on a échappé à ça. Là, allez, fonce. La route est détruite. On n'a plus beaucoup de vie.
Est-ce que la map est mise à jour en temps réel ou pas? Oui, il nous le dit. C'est la merde. Fuis. Allez, casse-toi. Casse-toi. Allez, on part. Ensuite, dès qu'on peut, on tourne à droite. Non, c'est les chiens. Oui. Là, à droite. C'est parfait. Et on suit la route. Vous noterez à quel point la caméra nous suit de façon perdue. Mais non! Attends, qu'est-ce que c'est? Merci Sylphion qui s'abonne à la chaîne. Niche de chien, rue Levin. Alors, niche de chien, rue Levin. On regarde la rue. Alors, la rue Levin, à quelle est-elle? Ah, la rue qui est juste à côté. Donc techniquement, celle qui fait tout l'axe. Donc juste à gauche ou à droite, on va voir. On n'a pas de vie, hein. Je rappelle qu'on n'a pas sauvegardé encore, donc si on crève, on recommence tout. Comment vous dire que j'ai pas trop le goût? On va voir. On va y aller doucement. On va y aller doucement, on se rappelle qu'il y a un chien ici. Et peut-être une niche qui va nous aider. Ça marche pour la VOD, merci beaucoup. On y va tranquille. D'où il est pas mort? Sale chien de merde! Voilà. Alors je rappelle un truc très important, c'est que nous sommes dans un jeu où le héros n'est pas un militaire de ouf. C'est un individu somme toute assez classique finalement. D'où les énormes fails de visée. Alors, la niche de chien. J'imagine. La clé de maison est cachée dans la niche. Vous la prenez? Oui, bien sûr. Mais quelle maison? Celle-ci? Oui. Mais qu'y a-t-il dans cette maison? On va voir. Alors on commence par une trousse de premiers soins, oui. Vous noterez que le jeu est quand même, encore une fois je le dis, bien équilibré, puisque au moment où on est dans la merde, il nous donne la trousse de soins, qui nous soigne finalement. Maintenant, s'il pouvait nous donner la trousse de save, ce serait pas mal aussi. Oh, mais c'est tellement bien fait, Mais le jeu est tellement beau pour l'époque, mais je sais pas si vous réalisez ce qu'on est en train de voir là, mais c'est un truc de fou. Ah, regardez ça. Et là, qu'est-ce que c'est? Un point de save. On est à 20 minutes de jeu. Et je vous promets que je ne suis absolument pas serein. Mais merci à Mogetsu qui s'abonne à la chaîne. Alors Death Stranding, je te rassure, Mogetsu, c'est un jeu que je veux absolument faire. C'est le jeu que j'attends le plus de tous les jeux vidéo de la Terre à l'heure actuelle. Rien de spécial sur cet élément. Ah ouais, la caméra, mais elle était trop bien gérée pour l'époque. C'est un truc de fou. En fait, elle est dynamique et flippante, parce qu'elle est emballée. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une boisson vitaminée, très bien. Donc, du soin, potentiellement. En plus, les contrôles sont bons, hein, parce que le personnage n'est pas adroit, vu que c'est pas un soldat, donc il rate ses tirs et tout ça. Par contre, à côté de ça, t'as une palette de mouvements qui est quand même assez large, finalement. Et là, on a un problème. Il y a 3 verrous. Et nous avons, du coup, 3 clés à récupérer pour aller jusqu'à l'école. Il y a quelque chose d'écrit sur le mur. Je l'ai copié sur la carte. Donc là, si je comprends bien, sur la carte, il va y avoir 3 clés à récupérer. Potentiellement une du côté de cette espèce de rond tourné. Potentiellement une autre du côté de la rue qui est derrière le café. Et potentiellement une dernière, je ne sais où. Eh bien tout ça, je vous le dis, on va le découvrir certes, mais pour les gens qui voient ça en VOD, on va le découvrir dans une prochaine session de jeu.
sur ce Silent Hill. Parce que là, on va avoir un petit segment de gameplay sympa. Et même si j'ai 2-3 souvenirs en tête, j'ai pas tout. Merci à Monsieur Ryuchi également qui s'abonne à la chaîne. C'est anniversaire de Sav également. Merci beaucoup à toi. Donc on fait la petite pause ici. Pour les gens qui voient ça en live, bien sûr, on va continuer. Hein. C'est-à-dire que là, voilà, le live vient de commencer tout juste. Et donc je vous dis à très bientôt. Vous êtes 1348, mon Dieu! Bienvenue à toutes les personnes qui arrivent. On revient dans quelques instants. Je vous dis à tout de suite. Et à très vite pour les gens qui voient ça en VOD. À toutes.